Les dépenses de certains politiciens ont de quoi faire peur. Mais pas celles de Rachida Dati. Ce dimanche 16 avril, le JDD consacre un sujet sur les notes de frais de la maire du 7e arrondissement de Paris. En politique, les dépenses de certains font plus peur que d'autres. Et ce n'est pas François Hollande qui dira le contraire. Souvenez-vous, le 13 juillet 2016, le canard enchaîné pointait du doigt les conditions de rémunération du coiffeur personnel du chef de l'État, depuis sa prise de fonction, le 16 mai 2012. On apprenait ainsi que le coiffeur attitré du mari de Julie Gayet touchait pas moins de 9 895 € de salaire brut par mois. Une somme colossale qui avait choqué à l'époque. Puis, au mois d'août 2017, Le Point révélait qu'Emmanuel Macron dépensait plus de 26 000 € par mois en maquillage. Le mari de Brigitte Macron avait demandé à ce que sa maquilleuse personnelle, sélectionnée par sa femme, le suive à l'Élysée, ce qui justifierait le prix. D'après nos confrères, ce dernier payait sa maquilleuse personnelle près de 6 000 € par mois. Ce dimanche 16 avril, le JDD a dévoilé quelques-unes des notes de frais de Rachida Dati. Dans un souci de transparence absolue, nos confrères se sont procurés quelques factures datant de 2017. Rachida Dati, la plus économe? Le 8 février dernier, le Conseil d'État a encouragé les élus locaux et les agents publics à faire preuve de transparence à l'égard de leurs notes de frais. Et le moins que l'on puisse dire, si est que Rachida Dati, est considérée pour beaucoup comme celle qui a le moins puisé dans son enveloppe, durant l'année 2017. Si en 2014, l'INPE était furieuse envers Rachida Dati et ses factures de téléphone dépassant les 10 000 € par an, force est de constater que l'ancienne garde des Sceaux s'est depuis rangée. En effet, nos confrères du JDD ont révélé que la mère de Sora n'avait fait aucune folie. La grande amie de Brigitte Macron aurait dépensé 1 381 € pour des restaurants. Elle a également remboursé la somme de 9 710 €. La politicienne de 57 ans a conservé 3 factures pour des rendez-vous chez le coiffeur, d'un montant de 392 € au total, précisent nos confrères. Rachida Dati a également partagé une note de frais de 165 € correspondant à une manucure réalisée dans un institut parisien. Rachida Dati, dépensière? Que nenni.